la brocca, come tutti dices. Devi fare belle o la danza e veni entrare insieme lo fumo e lo sacrificio di un gallino per te fare espellire le lunere dell'univers. Escuto, ha desparegu lo canale del capuno che se vei più. Ako lo sabes, lo canale non se la vien bagna l'estiu e aganta li gobi cuo lo curavo o mesema. Se vei più che lo canale de puenza che se ne va di l'estan vue già si sai godusso e si fango marunasso. Io vengo a travers degli magati per lo cammine caiasso din la vegetazione mieterana sia un uccimaire d'un suleo. Tu vois là, le point de vue idéal serait de grimper là-haut, mais comme Periana, ça, la plaine de Croix, la mer, les Alpilles, quelque chose. Ici, nous sommes partiteurs des guerres. Partiteur, ça veut dire un site sur lequel l'eau est distribuée à différents canaux. Ici, c'est le tronc commun. Du tronc commun dérive en amont le canal dit Boisgelin-Craponne, comme on pourra aller voir peut-être sur une partie. Ici, il y a le canal des Baux. Alors, le canal des Baux, là, il a été réalisé au début du XXe siècle. Et là-bas, et on va aller voir le slip, la descente qu'il y a, c'est le canal de Craponne-Branche d'Arles. Alors ici, on se trouve justement sur le site de l'ancien lit de la Durance, on en voit là des cailloux. Et l'exploit de Craponne, on en parlera encore, ça a été de franchir le pas de la Manon. On est à deux pas de la Manon. Pas de la Manon qui est surélevé par rapport au lit de la Durance. Alors il a fallu qu'ils prennent l'eau largement en amont pour, maintenant le niveau, pouvoir franchir ce pas. Le pas de la Manon. Il y a un peu d'olive. Parce que la famille Benedetto, donc notre branche, est venue habiter Salon en 1940. Et André avait 6 ans, Jo avait 3 ans et moi-même j'avais 1 an. Roger, le dernier, est né en 1941 à Salon. Et il se trouve que nous avons habité à Salon, et ça pendant 50 ans, pour ma mère qui est restée, tout près du canal de Craponne. Alors pour nous, le canal de Craponne, c'était un canal de loisirs, malgré les interdits. On allait s'y baigner, bien sûr. Et c'était non seulement un lieu de loisirs, mais c'était aussi une source d'approvisionnement en eau, parce que la maison que nous habitions recevait l'eau de Craponne pour ce qu'on appelait la pile, l'évier, et pour le lavoir. Alors c'était une eau délimonée, mais elle n'était pas propre à la consommation. Pour boire et pour cuisiner, il fallait chercher l'eau au puits. Le puits, qui est toujours resté d'ailleurs bien en eau, pour la bonne raison qu'à côté de là où nous habitions, il y avait les prés, irrigués par inondation grâce au réseau de canal de Craponne. Et ces prés, l'inondation des prés, approvisionne, et toujours aujourd'hui, les nappes phréatiques dans lesquelles s'approvisionnent des centaines de milliers de personnes. Donc on avait un lien direct avec le réseau Craponne. On est très près de ce personnage, dont à l'époque on ne connaît rien du tout. Hein. Nous étions tout près du canal de Craponne, il faut compter 30 mètres, quoi. Si nous étions des familiers de Craponne, c'est plus tard que nous nous sommes, et personnellement je me suis informé,
sur ce grand personnage, avec toute la reconnaissance qui lui est due. Et ce canal, au niveau où nous nous trouvions, il présente une chute importante. Il arrive au bord d'un plateau et il va descendre. Alors on va s'avancer, essayer d'aller au bord de la descente du canal là-bas. Ouais, il va falloir aller là-bas. Voilà. Alors là, c'est un petit... Et comment on va passer là? Un petit canal secondaire. Celui qui m'intéresse, il est là-bas. Le canal de Craponne, branche d'Arles. Et tout ça a été remodelé, bien sûr. Hein. Voilà. Alors attends, je cherche le passage. Pour peut-être là-dessus. Ça paraît bon, mais c'est pas bon. Putain. Bon, on est baisé, on va remonter, Jean-Marc. On dit qu'on veut exploiter toutes les ressources, et puis là, il y en a une de 2,4 MW. Et le syndicat des arrosants qui s'en occupe, qui veut faire une microcentrale, il n'arrive pas à avoir les autorisations. Craponne, son ouvrage, il a réalisé entre 1554 et 1559. Vraiment un peu plus, je sais pas. Le mieux. Le livre d'emballage était couvert avec mon dessin. Tu vois? Et regarde, il y a encore écrit sur la tranche emballage. J'ai dû avoir trois, donc emballage. Le petit train de M. Camaudet, je ne sais pas si c'est la même année ou dans les années qui ont suivi, tu vois. Et puis Notre-Dame des Bourdillons, parce que je crois que j'en avais eu la connaissance en lisant. Sûrement dans la Marseillaise de l'époque, le journal régional, une interview de lui. La première fois que j'ai vu Emballage, ça m'a énormément surpris parce qu'évidemment, la mise en scène, il y avait la 4 chevaux sur scène et il y avait des rubans de partout, il y avait une mise en scène assez exubérante. Tu vois. Très vite, on a capté qu'il y avait un discours assez militant, tu vois, c'était vraiment du militantisme appliqué, de la critique sociale, tu vois, de la critique du système. Qui victimise les gens, tout ça, bon. Et en même temps, il y avait un développement d'un théâtre très original. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de subtilités dans son théâtre. Les personnages de la pièce n'étaient pas que des victimes du système. Ils se mettaient à rêver aussi avec ce qui leur arrivait, les cadeaux, on emballait tout, le mariage, je sais pas quoi, la voiture, tout était beau, tout était une espèce de vie rêvée, tu vois. Et derrière, il y avait toujours ce fond. Puis il y avait aussi le fait que Benedetto, c'était un personnage, il était jeune, tu vois, il était habillé assez, presque comme un cap de Marseille, tu vois, là, avec des cheveux longs noirs, c'était un beau mec, tu vois, bon. Et ça faisait un peu brutal, tu vois, un peu sommaire, tu vois. Et c'était bien, c'était un peu dans l'air du temps, parce que pour un jeune de cette époque-là, si tu veux, voir un théâtre comme ça, c'était sortir quand même des belles mises en scène, bien peaufinées. Et là, on était vraiment dans le direct, tu vois. Le direct. Le direct et le sommaire, si tu veux. On va immédiatement droit au but. Les dialogues sont presque joués à l'économie, tu vois. Et j'ai gardé, donc, pendant longtemps, une espèce de... comme une réticence en me disant, qu'est-ce que je vois, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un vrai théâtre, un théâtre important, où il y a quelque chose qui cloche ou qui ne cloche pas. Tu vois, j'étais quand même un peu hésitant. Puis après, c'est tout à fait passé quand j'ai vu les pièces plus tard, hein. Fleur du béton, Le jeune exposé, toutes ces pièces-là, tu vois, qui étaient beaucoup plus élaborées, qui étaient beaucoup plus simples, avec beaucoup plus de contenu dedans, de références, de philosophie, de poésie, beaucoup plus de choses comme ça, tu vois. On sentait que Benedetto, il avait vraiment
bien centré son théâtre et le simplifier. Et peut-être même que le côté militant qu'on voyait au départ, même s'il était toujours, il disparaissait en apparence, tu vois. Mutuellement avec Benedetto. Oui. Oui, alors ce travail d'une exposition collective, donc on lui avait proposé de venir pour faire une intervention. Parce qu'on avait envie qu'il y ait quelqu'un qui lui agit dans une autre discipline et dans le même sens. Donc il est venu et il a dit un texte très court d'Artaud là sur le. Pour en finir avec le chemin de Dieu. Il a lu pendant 10 minutes un texte très court et qui était très beau, tu vois. Voilà. Ouais. Il y avait Brianti qui était un peintre des Pyrénées, qui est un copain de Benedetto, qui était là puisqu'il exposait aussi. Voilà, donc on a bu une cola à la maison et Benedetto est venu, on a mangé ensemble avec Jean-Jacques Sarté. Voilà les souvenirs. Je suis allé à la bibliothèque Calvé et j'y ai trouvé la correspondance de Zola avec Cézanne. Vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Et Zola écrit à Cézanne, après il y a le fameux livre qui s'appelle L'œuvre ou l'atelier, je ne sais plus. C'est sur le peintre raté. Le peintre raté selon Cézanne, selon Zola, c'est Cézanne. Deux amis de lycée, d'Aix-en-Provence. Bon. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que dit Zola à Cézanne? Fais un effort. Tu vois bien, tu ne vends pas tes œuvres. Pourquoi? Parce que tu prends un rebrousse-poil. Et donc, fais un effort, fais une peinture qui un peu essaye quand même d'aller à la rencontre du goût du public. Et Cézanne, c'est l'âme de rasoir, Cézanne, ce moment-là. Il ne bougera jamais. Il continue sa scène de victoire et tout ça. Bon. Et puis, Cézanne, aujourd'hui, c'est quand même le grand révolutionnaire de la peinture, d'après Picasso. Bon. Eh bien, je pense qu'André, je ne sais pas s'il a lu la correspondance de Zola avec Cézanne, mais je pense que André, quelque part, c'est Cézanne, c'est-à-dire quelqu'un qui peint son monde, de façon théâtrale, mais qui, à un moment donné, ne cherche jamais à plaire. Voilà. Il est arrivé de plaire, mais ça n'a jamais été le but. Il crée ce qu'il avait envie de créer, ça plaisait ou ça plaisait pas. Il y avait du monde ou il y avait moins de monde. Le véritable artiste, c'est ça. C'est, à un moment donné, celui qui ne compose avec personne. Et qui ne cherche pas ni à plaire, ni à vendre, ni à se faire des amis, etc. Voilà. Mais il m'est venu à l'idée finalement qu'entre le théâtre et la peinture, il y a un seul mot qui les réunit, c'est la mise en scène. Voilà. Parce que la peinture aussi met en scène un temps et un espace. Mais là où il y a une séparation immédiate, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans le déroulement du temps. Si je travaille dans cet esprit-là, c'est peut-être pour faire passer l'image du plan du tableau à celui du spectateur. Le temps du tableau, il se lit par les yeux et par la compréhension que se fait dans la chronologie des images, alors que dans le théâtre, il se lit avec les oreilles, avec les yeux, avec les sens. Tu veux faire sortir des acteurs de ton tableau quand même. Mettre le tableau en trois dimensions, de telle façon que le spectateur, il ne peut plus adopter un seul point de vue, comme quand tu es au théâtre assis dans un fauteuil ou devant un tableau de la Renaissance. Il est obligé de se déplacer, et en se déplaçant, comme il tourne autour, il fait varier les images dans le temps de son déplacement. Et ça, c'est un truc qui me fascine, justement, dans le théâtre, parce que là, à un moment donné, la pièce se joue et tu es dans un présent. Et c'est fini. Il y avait des premiers travaux qui étaient beaucoup plus figuratifs sur le travail sur l'herbe et le corps. Le travail sur les charniers. Donc c'était pareil toujours, des espaces dans lesquels se passent des choses. Des séquences de 12 images, pour certains. 12 images qui fait au niveau du cinéma, voilà, donc ça c'était des corps, mais des corps qui vont disparaître, des corps qui volent. Et en fin de compte, c'était des séquences de 12 images qui représentent une demi-seconde de cinéma. Donc c'était des petites séquences où on voit les corps en train de soit disparaître, soit voler, soit se faire assassiner.
un travail sur les veuves. Donc il y a aussi tout un travail des gens, car même toutes ces femmes qui sont restées avec le souvenir de tous les gens qui sont morts. Mais à part ça, tout va bien. J'ai rencontré André en juillet 66. Il faut dire que j'habite en face du Théâtre des Carmes et que j'avais comme copain Daniel Auteuil, qui lui était déjà au Théâtre des Carmes. Et un jour, il est venu me chercher pour me dire « Viens, je vais te présenter une troupe de théâtre dans laquelle je travaille. » Donc, c'était statut. À l'époque, on payait 5 francs. J'ai vu statut, j'ai rien compris. 3 mois après, je me suis retrouvé avec un texte qui était Napalm. Et j'étais à 100 lieues de penser qu'un jour, je monterai sur scène. C'est-à-dire que, de spectateur que j'étais, je me suis retrouvé acteur, mais acteur d'une manière très différente. C'est là où, justement, André nous avait appris la fameuse distanciation brechtienne. Tu n'es pas le personnage. Tu es toi en train de jouer quelqu'un. Et ça, c'était surtout dans Napalm, où, en fin de compte, dans Napalm, on jouait 3 rôles les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on était une compagnie vietnamienne qui jouait des Américains, qui jouait des Avignonnais au Théâtre des Carmes. André pensait que toute personne était capable de monter sur scène, en dehors de l'appréhension du tract et tout ça, pour arriver à faire passer un texte, s'il y croyait. C'est pour ça qu'au Théâtre des Carmes, je ne sais pas combien de gens sont passés, 200 ou 300 personnes, et il y a eu des personnages qui savaient jouer, il y en a qui ne savaient pas jouer, mais à aucun moment, André nous a fait le reproche de ne pas savoir jouer. J'ai jamais entendu André dire à quelqu'un « tu ne sais pas jouer, descends, c'est pas bon, tu ne sais pas le faire ». Il y avait des scènes difficiles pour certains où, justement, il essayait de les adapter. Mais à aucun moment, il y a eu la remise en question de l'individu qui a osé monter sur scène. C'est-à-dire que tu es sur scène, maintenant, tu dis ton texte, et je ne vais pas te critiquer là-dessus. C'était ça qu'il y avait d'important chez André, c'est-à-dire que l'individu qui montait sur scène, qui pouvait parler, et laisser parler. Écrire, c'est autre chose. Vas-y, lance-toi, écris des choses, peu importe ce que tu vas écrire, mais passe à autre chose, deviens quelque chose par rapport à toi. Donc pour lui, c'était l'écriture. Il prenait les gens comme ils étaient, son côté instinct. C'est-à-dire, je vais vous apprendre à faire des choses, je vais vous apprendre à jouer, je vais vous apprendre à faire du théâtre. Mais c'est vrai qu'il était maître d'œuvre de tout. Et je ne sais pas pourquoi il y avait autant de gens qui venaient dans ce théâtre et qui faisaient jouer. Napalm, c'était, on était assis, là, il a commencé à distribuer les textes. Et moi, j'ai dit, mais je joue pas. Tous autour de la table, avec un gros tas de manuscrits, et distribution de manuscrits, et on lisait. On disait, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. On marquait, et on lisait. Et ça durait un certain temps. Totalement à plat, c'est-à-dire pas d'intonation, pas de recul par rapport à ce qu'on faisait, on ne savait même pas qui on était, c'était le texte. C'est-à-dire s'imprégner du texte, puis après aussi comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça, au bout d'un moment, on le comprenait très vite. C'est-à-dire que le contenu, la structure du texte, la problématique posée, on la comprenait tout de suite. À travers la lecture, je ne sais pas dans sa tête, mais petit à petit, il devait se passer quelque chose dans la tête d'André qui faisait qu'il commençait à voir son spectacle. C'est-à-dire qu'il commençait à le voir en 3D, dans un spectacle. Mais ce qui est fou, c'est que, en parlant de ça, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a fait, pour moi, le plus de mise en espace au niveau des spectacles. Des espaces en rond, en carré, en rectangle, en courant, dans des chapiteaux, dans des bus, sur la table. Des castelets géants de marionnettes, des radeaux, des théâtres en rond, des théâtres où les spectateurs étaient obligés de courir, où il y avait 4 lieux de représentation. C'est l'exemple de Bourg-en-Bresse, où arrivant sur le lieu, c'était une halle au poulet, je crois, un truc qui devait faire 300 mètres sur 200 mètres, avec le petit radeau de zone rouge, c'était impossible. Il y avait d'abord l'acoustique était catastrophique, et il fallait à tout prix que les spectateurs soient presque collés à la scène. Et là, il a décidé que le spectacle se déroulerait à travers tout l'espace. Donc les spectateurs suivaient, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu 2 ou 3 endroits où les spectateurs suivaient, pour justement que le lieu
devienne le lieu de théâtre et que le hangar ne soit plus un hangar. C'est-à-dire que c'était une scène géante. Et ça, pour moi, Benedetto, ça m'a toujours surpris. C'était que le lieu devenait, tout le lieu devenait la scène. C'est-à-dire que dans Zone Rouge, les spectateurs qui étaient autour de ce radeau, en fin de compte, participaient à la noyade de ces jeunes qui étaient sur ce radeau ou ce ring qui se battaient. Et c'est vrai que systématiquement, le décor était, faisait partie de la pièce, mais partie en tant que fonction. C'est-à-dire que si ça ne servait à rien, tant qu'on ne le mettait pas. Les costumes, c'était pareil. Et malgré ça, il a confié des parties picturales, des décors, à des peintres. Voilà, et je pense que la notion de décorateur chez André n'existait pas. Comme décorateur. C'est ce qu'on m'a dit. Stenner, en fin de compte, il a utilisé Stenner par rapport à l'image qu'il voulait de Jacqueline, mais Stenner a fait du Stenner. C'est-à-dire que Stenner ne prend comme sujet que sa femme. Et quand il a peint Jacqueline, il a peint par rapport à Stenner. C'est-à-dire, c'était la patte de Stenner, c'était pas du tout le... Benedetto. Et en fin de compte, c'était le reflet de Jacqueline. C'était des miroirs qu'il y avait autour de la scène. André Benedetto. Alors, ce qui me... Que je l'aime bien, que je l'ai bien aimé. À part qu'il ait un caractère de cochon, mais à part ça... c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et que je remercie beaucoup. Et même pire, c'est que... 40 ans après... Je passais des nuits en répétition. Je me suis arrêté par hasard à la Mostra de l'Arzac. On avait vu des paniers devant la porte, on avait dit, tiens, ils vendent des paniers. Et derrière les paniers se cachait une exposition d'art très contemporain. Et il y avait un artisanat traditionnel, ces paniers, qui permettaient de financer le fonctionnement de ce lieu, un ancien relais de poste transformé en ferme, un lieu dont la base datait du 15e siècle. Donc ce n'était pas un territoire politique défini, c'était un territoire linguistique. J'ai rencontré Félix Castan pour la première fois au Larzac. Nous étions allés voir ce haut lieu de la Résistance et Frances avait fait un reportage photo de toutes les inscriptions que nous avions trouvées, des moutons, pas de canon, etc. À la fin de l'après-midi, nous étions arrêtés à la Mostre del Larzac dont nous ne savions encore rien. J'y avais acheté deux pots de moutons pour mes filles, un livre ou deux, et j'avais payé par chèque. Puis nous étions allés dîner au restaurant en face. Et pendant le repas, un monsieur entre, s'approche de nous, me parle du chèque, me demande si j'étais le Benedetto d'Avignon. Je dis oui, il se présente, je l'invite à s'asseoir, et nous avons discuté. Il était très enthousiaste, et après, nous sommes allés prendre quelque chose avec lui et avec Marcel à la Mostre. Et tout de suite, les projets. Nous sommes toujours restés en contact. Car comme toute l'Occitanie des arts et des lettres, nous passions le voir chaque été à la Mostre pour discuter, échanger, voir l'exposition de peinture de l'année et les paniers. Tout allait de soi. Comme Castan est un spécialiste du baroque, on peut dire que c'était un accrochage qui jouait soit sur la continuité et puis sur la discontinuité, c'est-à-dire qu'on créait des ruptures et des oppositions. Les œuvres se dynamisaient les unes par rapport aux autres. Faites parler Castan, mettez-le en plein centre pour critiquer le centre. Ah ça c'est drôle, dit-il, il va parler. Alors nous le mettions sous forme d'une grande photo en médaillon comme une cible. Il s'est toujours demandé ce que ça signifiait exactement. On peut être un spécialiste du baroque et ne pas comprendre une conduite baroque quand on est en plein dedans. Castan, c'est un volcan toujours en activité. L'œil vif, le cheveu noir, toujours. Il était là, il parlait, et parfois l'inspiration, la voyance le saisissait. Alors il se lançait, il semblait parcourir à travers ses circonvolutions toute l'histoire de l'espèce et de ses civilisations. Saisi d'une crainte sacrée, nous avions l'impression de comprendre le monde, et plus intelligent, plus sensible, plus humain, de nous y trouver exactement à notre place dans ce monde. Exact.
La fonction de la littérature, c'est de définir une identité, parce qu'elle est liée à la langue et à un lieu. Tandis qu'un plasticien ne se lie pas naturellement. Je voudrais te répondre, c'est que la culture occitane n'est pas une culture locale et régionaliste. C'est une, parce que je l'appelle culture cosmopolite. Hein. Par essence, elle est par essence cosmopolite. Depuis les troubadours, la culture occitane est cosmopolite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée en terroir. Seulement, il se trouve que dans la conscience qui nous entoure, chez les gens qui nous entourent, ils entendent la langue occitane chez les paysans d'un lieu et ils croient que la littérature se réduit et se réfère à ce lieu et à cette parole paysanne. C'est pas ça du tout. La littérature occitane est une littérature de plus haut niveau et de caractère cosmopolite depuis les troubadours. Hein, c'est-à-dire avant les nations, elles se sont constituées. Je dirais que la littérature occitane est aujourd'hui cosmique. C'est-à-dire que la littérature occitane est écologique, cosmique, c'est-à-dire qu'elle ne se réfère pas à un lieu étroit, mais à l'ensemble de l'univers et de ses lois. Hein. Et à quel âge que la vieille parole dans le vésin, elle a immense ça. Mais sérieux, sais-tu que tu es résultaté? T'as vu immense ça, tu, ou mon âme? À qui nous l'a prié de l'autre. Notre drapeau est un soulier. Notre drapeau est un morceau de pied. Nous avons un drapeau. Un morceau de drap, un morceau de peau. Nous avons un drapeau. Nous avons une main. Nous avons une peau. Nous avons un drapeau fait avec un œil et un oiseau. Nous avons un drapeau sans drapeau. Nous avons un drapeau qui n'aime pas les drapeaux. Nous avons un drapeau en feu qui brûle tous les drapeaux. Nous avons un morceau de bois, nous avons un morceau de peau, nous avons un drapeau sans drapeau au milieu d'un million de drapeaux. Nous avons un drapeau sans drapeau. Luba, où tu es ? C'est un festival de proximité, tout proche de son village, tout proche des herbes et des plantes, de la nature, en un temps où toutes les idéologies se sont brisées, où rien ne subsiste de son poids accru. Le XXe siècle dont nous sortons, je faisais une comparaison entre la situation actuelle et la situation de Montaigne à la fin du XVIe siècle. Montaigne, à la fin du XVIe siècle, avait rejeté les idéologies de l'Antiquité, les idéologies du Moyen-Âge, et il ne suffisait plus qu'à sa plume. Sa plume qui ne visait pas à parler au monde entier, qui visait à parler à sa famille, à ses amis, de façon à ce qu'après sa mort, ils se souviennent de ce qu'il était. Et dans cette démarche de proximité, je reviens sur le mot, il a assuré la révolution la plus profonde que l'humanité entière ait connue. L'autre réflexion que je faisais en observant les spectacles de André Benedetto l'autre jour. André Benedetto connaît admirablement, connaît parfaitement la situation du théâtre contemporain et en France et à l'étranger. Mais quand il crée, il ne s'occupe pas des critères, il ne s'occupe pas des modes, il agit selon ses propres critères, selon ses propres intentions, à partir de ce qu'il est lui-même, à partir de ce qu'il dit. Et dans votre chair affaissie, tirez vous-même votre voix inconnue. Mesdames, messieurs, chers amis, il va falloir passer à l'acte, ouvrir enfin la bouche et pousser la chanson. Participez à l'opéra vocalchimique, ouvrage citoyen à parole contemporaine, qui a lieu ce soir même au verger urbain saint. De telle sorte que, en face du champ culturel parisien et international, il crée un contre-champ culturel. Non, du point de vue de l'identité, c'était critique. Nous étions critiques, en situation critique, avec tout, avec, à mon avis, avec la langue, avec l'occitan, avec l'histoire,
de l'Occitanie avec l'histoire, enfin avec la politique, quoi. Et je crois que c'est là que j'ai connu André. Avec son frère, des trucs sur scène, des happenings, des mélanges. Moi, ma relation avec lui, profondément, c'est à Uzeste parce que, au début, Uzeste a démarré avec le jazz. Et donc, quand ils ont vu arriver Benedetto sur scène au milieu de la musique, se mettre à parler, ils se sont mis à gueuler, c'est pas du jazz, gna gna gna, Moi, je dis que la musique adoucit les meurtres. Et donc, cette histoire de mots, ça a été capital, quoi, dans ma rencontre avec lui, parce que j'ai senti sa poétique, sa poélitique. C'est lui, en fait, qui m'a initié à la poélitique, quoi. C'est lui, le premier poéliticien que j'ai connu. C'est-à-dire qui trimbalait en lui cet entremêle méli-mélo-mêle mental, poésie, éthique, esthétique, tu vois, politique, ludique, parfois lubrique, avec sa gueule et puis de ne pas y toucher, puis tu vois, ses deux pieds posés sur une scène, toujours comme ça. Quoi, il n'avait pas besoin de faire du théâtre, il était du théâtre. Il faisait pas du théâtre, André. Mais non, mais non. Il se surveille. Il lance des appels, signaux, SOS, maman. Il gesticule, ça gémit, ça se plaint, ça sanglote, ça crie, ça gueule, et dans le fond, ça se marre très fort, fort. C'est la naissance d'on ne sait pas quoi, mais ça s'entend. Avant de le rencontrer, je ne parlais pas sur scène, ni trop dans la vie. Et cette rencontre m'a débloqué, quoi. M'a débloqué quelque chose au niveau aussi de la lecture, de plonger dans la littérature, dans la poésie. Et puis nous avons articulé entre Uzeste et le Théâtre des Carmes des relations, des ateliers, des engueulades, des confrontations. On a détruit les spectacles, on s'est planté, tu vois. Je me prends la tête moi-même. Là, j'ai vu qu'il était vraiment curieux, quoi. Qu'il était aux aguets, quoi, ce mec, quoi. Il était comme moi, quoi, mais plus avancé que moi sur ce sujet. Vraiment aux aguets de l'autre, aux aguets de l'inconnu, quoi. Aux aguets de l'être, quoi. Et c'est là que j'ai compris que c'était une grande et profonde personne, quoi. Comme personne. Une personne comme personne, et qui ne la ramenait pas sur ce sujet, au contraire. Je l'ai vu sur son terrain, là-bas, j'ai vu ce qu'il a fait à Avignon. Sans m'en rendre compte, ça m'a imprégné, quoi. Ce boulot de pionnier, à la fois de râleur et de provocateur. Tu vois. Et quand on a fait les tragédies de Shakespeare au château de Villeneuve, il y avait des fusées, des pétards, ça partait de partout. Et il m'avait dit, mais comment je fais? Ben, comme d'habitude, tu te démerdes, tu prends les intervalles, s'il y en a, et puis si tu vois, si ça tire, ben, tu te baisses. C'était un empirisme qui en dit long sur ce qu'on a la prétention de croire pouvoir régler. Quand il nous arrive à nous quelque chose qu'on ne contrôle pas, là, il se passe de vrais rapports, là. Ce ne sont pas des rapports commerciaux. Ce sont des rapports humains, c'est-à-dire un échange qui nous change. On n'est pas les mêmes à la sortie, quoi. Et c'est ce que j'ai fait avec André. Tout ce que j'ai pu faire avec André, c'était grave et aigu et profond. Et en même temps plein d'humour, parce qu'il fallait recommencer. Ce n'était que des commencements, quoi. Voilà. C'est ça qui m'a appris, moi. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de croyance à une arrivée révélée. Il n'y a que des départs en catastrophe, mais retardés. Après avoir pris mon billet,
J'avais dit en plaisantant que j'étais en fin de carrière, que j'étais au chômage. Et ce monsieur, André Benedetto, a entendu mon propos, s'est adressé à moi, il m'a demandé mon ticket, et il est allé à la caisse pour me faire moitié prix. Mais je ne le connaissais pas intimement. J'étais allé une fois aussi lors d'une campagne électorale, j'étais allé le voir au théâtre, et il avait le soutien de Bernard Lubin. Et la troisième fois que je l'ai rencontré, c'était le jour d'un réveillon, réveillon de Noël, où il récitait dans son théâtre des textes d'un grand cuisinier ou d'un critique gastronomique qui s'appelait Grimaud de la Reynière. Et ce qui m'avait le plus surpris, c'est que pendant qu'il citait ces phrases et les récits de Grimaud de la Reynière, on était une quinzaine de spectateurs autour d'une grande table et on nous avait servi à manger. Dans le prix du spectacle, il y avait ce petit repas, cette petite collation. J'avais trouvé ça merveilleux, avec un vin dans la cave coopérative de Rasto. Non seulement je pense que c'était un intellectuel, mais c'était un homme de bien. Un homme brillant et gentil. Moi, je suis né en Camargue en 1941 à Salines-de-Giraud pendant l'occupation allemande. J'y suis resté 3 mois et sinon j'ai passé tout le reste de mon existence à Arles, 3 rues de la Liberté. Voilà. Mais sinon, pour en revenir à M. Benedetto, je sais qu'il avait des engagements, mais je ne l'ai pas suffisamment connu et je le regrette. Par contre, je fréquente son frère aujourd'hui, qui est un homme intéressant. Un homme qui vit vraiment en accord avec ses idées. Ce qui est rare. J'ai fait la connaissance il y a une vingtaine d'années d'un vigneron qui se trouve dans le Bugey, dans un village qui s'appelle Montagneux. C'est un vin qui a dû naître à peu près à la même époque que le champagne. Mais les vins de ces régions-là, comme la Champagne du Bugey, eh bien, sont rehaussés par la présence des bulles. Et donc les bulles lui amènent un côté un peu plus digeste et un côté un peu plus festif. Un vin de fête, un vin de repas. Un vin de rencontre. Un vin de rencontre, comme tu dis. Effectivement, moi. Non, tu sais, ça fait partie du pays ici. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ben André a beaucoup écrit sur le Rhône. C'est vraiment c'est un élément qui était chez lui important. Hein. Je connaissais déjà André. Quand ils sont arrivés en Avignon, ils ont logé à Champfleury. Ouais. J'ai habité à Champfleury aussi avec mes parents. Dans un grand bâtiment, le bâtiment A. Il habitait au deuxième et j'habitais au cinquième. Mais je suis allé voir ses premières pièces. Parce que ma mère m'y a emmené les premières pièces aux sources. Quand il avait le théâtre aux sources, d'abord, avec Huro. À la fois, c'est la découverte du théâtre. En même temps, j'allais au festival. Ma mère m'a emmené au festival. Le festival l'été, qui durait 15 jours ou 15 jours à l'époque. Puis il y avait Benedetto. Et pour moi, Benedetto, c'est l'homme à la moto. Là. Non, mais c'était un. Dieu, mais c'était quelqu'un d'une autre planète, là, quand même. C'est pas. On avait beau habiter dans le même HLM, c'est quand on voyait partir la moto, et je voyais sa femme, je voyais Jacqueline, je la voyais au lycée. Et elle tapait les textes d'André à la machine, au lycée. Voilà. J'ai connu, vraiment connu mieux André, en 1984, on est allés ensemble au Mexique. Voilà. La rencontre d'un millier de poètes au Mexique. En 1984, à Tepoztlán. Mais les bâtiments de Tepoztlán, c'est un ancien couvent où le mythe, l'histoire, dit que c'est là que Zapata vivait, ou du moins aurait vécu les derniers mois de sa vie. On était partis de France, on était 7 écrivains. On était 7.
André et moi, on est restés 6 semaines, 7 semaines. On est restés longtemps, hein, à Mexico. On est allés tous les deux, à Tehuatihuacan, visiter les ruines aztèques. Et on a gravi les deux temples aztèques, qui sont les deux pyramides, la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil. Arrivé à 11, on a quand même soufflé, mais c'était quand même une beauté extraordinaire. On était seuls, il n'y avait personne. On n'était que deux sur tout le site. C'est assez étonnant, quoi. Et à partir de là, on s'est dit, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et ça a donné lieu au premier, à la première édition du premier livre que j'ai fait avec lui, c'est Avignon, Avignon Suite. Les poèmes écrits suite à la démolition du bâtiment A. En haut de ces pyramides, là-haut, il m'a dit, il faudra que j'écris. Au fond, il n'a jamais rien écrit dessus. Il n'a jamais rien écrit. Il a écrit le poème, il avait écrit avant le poème qui a été donné à Tehuatihuacan, mais il n'a jamais écrit sur le Mexique même. Tu vois, sur le Mexique même. Voilà. Voilà. Je publie que de la poésie. Donc les rapports entre les poètes et les éditeurs, il n'y a pas de question d'argent, déjà. J'ai pas jamais eu le contrat signé avec André et moi. J'ai jamais eu d'écrit. Tout s'est passé comme ça. De gré à gré, si je puis dire, dans ma ombre. Alors après, j'ai édité deux ponts, trois arbres, quatre ponts du sud, voilà, celui-là. J'ai réédité Avignon, c'était prolongé, on a mis d'autres textes. J'aurais bien aimé rééditer, mais bon, c'est pas fait, j'aurais bien aimé rééditer Urgent Crié. Je trouve que ça a été mal fait, là, à mon avis, la réédition. Autre point de vue personnel. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a appris à faire l'édition, c'est Robert Morel, qui est donc un des premiers éditeurs d'André. C'est l'éditeur, c'est pas le premier éditeur d'André, c'est Pierre-Jean Oswald, le premier éditeur d'André. Ah bon? Mais Morel a édité Urgent Cri. Voilà. Son plus beau poème pour moi, c'est la balade de Bessie Smith. La balade, qui est à l'intérieur d'Urgent Cri, il y a ça, la balade. Ça, je crois que c'est un très très beau chant, un très beau chant d'amour en fait. Ça, il a su traduire un petit peu ce qu'était cette femme, cette chanteuse noire américaine. Quoi. C'est ça, moi. Je pense qu'André, c'est un homme. Un homme de l'amour, je pense. c'est une notoriété publique, quand même. Il aimait les gens. Les femmes, c'est vrai. Je crois que c'est un homme qui aimait. Voilà. Un amoureux, un amant de la vie, un amant des autres. Il aimait les hommes, quoi. Et il aimait les planches, il aimait le théâtre, il aimait la parole, l'homme de la parole. Hein, ça, l'homme de la palabra, en fait. Au Mexique, on a beaucoup parlé de ça. Quand il écrivait, tous ses écrits, c'est quand même de la parole. Quoi. Ça, je crois que c'est important. Moi, il me reste ça. Quoi. Et en même temps, je pense quelqu'un de jamais corrompu, si tu veux, dans le sens que le pouvoir l'intéressait, je ne pense pas trop, l'argent, je crois pas. Je ne sais pas si l'argent est intéressé, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais monté à Paris, comme on dit. Il veut rester, non pas tellement pour vivre au pays, mais il vivait là où il était. Quoi. Et c'est là où il était qu'on pouvait faire du théâtre. Lui, il faisait du théâtre là où il était. Il aurait été à Bordeaux, il aurait fait du théâtre à Bordeaux. Il aurait été à Tokyo, il aurait fait du théâtre à Tokyo. Quoi. Il était ancré dans cette vie, à la fois dans le quotidien, mais en même temps avec une réflexion sur le sens politique de la vie. André Benedetto, un gaillard, voilà. Pas d'autre mot, un gaillard. Et avec qui on n'avait jamais, c'était jamais gagné. La relation n'était pas gagnée, le travail à faire n'était pas gagné, le moindre petit détail pouvait faire basculer l'édifice, et en même temps, c'était, je crois, son exigence et son caractère. Nous deux peintures. Tu m'entends, peintre? Ou que tu sois à présent dispersé, j'ai besoin d'avoir le cœur net, voir ça de plus près, pénétrer dans la toile, pénétrer nuitamment. Félix avait voulu relier
des plasticiens à la pièce parce que Cadenne était un peintre. Nous sommes allés, au moment du Festival d'Avignon, remonter l'exposition dans la cité de Champfleury, dans la banlieue d'Avignon. J'aimais un beau garçon, la fleur de cette place. Il est mort en 17. À l'heure même, a dit Léon, où un autre monde naissait. J'ai attendu je ne sais quoi. Mais peut-être que malgré nous, attendons l'impossible, nous n'étions plus disponibles à ce monde. Et nous avons vieilli dans les briques, brioche oubliée dans le four. Si elle avait été peinte en 36, il n'y aurait pas de question, pas de problème. Elle est de 35. C'est donc qu'un an avant, au fond de la province, l'inconscient collectif. J'avais travaillé en duo avec Quini Araguas et Quini, qui faisait des moulages en plâtre, avait fait un moulage de son postérieur assis sur une planche de balançoire qui était en plâtre. Il y avait aussi des petits objets. Quoi ? J'ai dû m'y mettre aussi, parce qu'il n'y a que 10 personnages et il y a 11 boîtes. Ah. C'est peut-être moi, là. Je ne sais pas trop bien, parce qu'on a accroché... La première à Avignon, nous avons accroché la fameuse balançoire dans un arbre. Et Jean-Marc avait fait un montage pyrotechnique. Et lorsque les gens sont sortis de la salle, en pleine nuit, ils ont vu une balançoire avec personne dessus, une balançoire avec un fantôme. Mais la balançoire s'embrasait par des procédés pyrotechniques et l'arbre s'embrasait aussi. Et une des muses du moment, quoi. Je ne sais pas qui ça pouvait être à l'époque. Et puis ici, un petit texte de lui qui s'appelle « À l'heure ». Dorian criait « À l'heure où ?»« À l'heure où ? Les lumières sont éteintes, enfin bon. Que vas-tu faire ? Quoi choisir ? Vivre certainement, vivre comme un haricot patate. C'est mes affaires à moi que j'ai mis dedans, c'est toutes mes archéologies. J'avais juste Benedetto en torero parce que je le vois un peu comme ça, avec les plumes de Geronimo, puis je te dis les femmes, quoi. Toutes les femmes autour, parce que moi je voyais que ça. Je voyais que sa séduction et son pouvoir de captation. Sera la réconciliation tant attendue de l'être et du monde dans un grand élan fraternel. Mais dans ce cas, elle s'emporte dans la peinture. Je fais partie des meubles d'une entreprise autogestionnaire qui a commencé en 1972. Ça veut dire qu'on est issu d'un mouvement
critique par rapport au syndicalisme. Et on a vécu en communauté parce que c'était la vague et la mode dans les années 70. Et puis on avait l'idée, au début des années 70, de créer des espaces autogestionnaires dans des régions désertifiées. On a choisi les Alpes de Haute-Provence, Forcalquier, et ici au Mas de Granier, près de Arles, et on a créé les coopératives Longomaille. J'ai connu le frère de André, René Benedetto, qui nous a mobilisés dans sa bagarre contre les temps de Baer. Et c'est comme ça aussi qu'on est devenu attentif à ce que fait André. Et on a développé, dans les années 94, on avait développé des paniers de légumes hebdomadaires. Je me rappelle qu'on a eu différentes rencontres au Théâtre des Carmes. Ça veut dire je l'ai contacté pour discuter. Et j'ai toujours découvert quelqu'un qui était très ouvert par rapport à nos propos, qui avait entendu parler évidemment de nous et qui nous connaissait aussi à travers la radio Zinzine. Parce qu'en tant que Longomaille, on avait mis en route une radio en 81. Et on est allé avec la radio régulièrement dans les premières années au festival à Avignon. On a fait un studio au CELA et c'est comme ça aussi qu'il y avait des débats à la radio et donc il a découvert Longomaille, il a connu un peu notre mentalité. Et c'était toujours, je dois dire que c'était toujours très intéressant parce que quand on avait des soucis ou quand on avait des idées qui nous ont préoccupés, André Benedetto, il a souvent fait des analyses qui étaient vraiment précurseurs, exacts et justes dans sa critique et qui sont toujours justes dans sa critique de développement du capitalisme qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, où l'humanité va dans le mur, on n'a pas le... et lui, il avait senti ça déjà depuis très longtemps. En 2001, le 11 septembre 2001, les tours qui ont été descendues et qui sont tombées, je me suis dit, voilà, ça va déclencher une islamophobie absolument extraordinaire. Ça va être vraiment grave dans les années à venir. Et donc, d'ailleurs, on pourrait dire que maintenant qu'on en voit, on est en 2015, quand on voit ce que ça a provoqué déjà maintenant, cette nouvelle guerre froide contre l'islam, puisqu'il n'y a plus le communisme qui est là, ou en tout cas le communisme, il est en arrière-plan maintenant. Ça veut dire qu'on a pu lui proposer à l'époque, écoute André, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose chez nous à la ferme? Et comme lui, il avait travaillé avec les poèmes de Omar Khayyam, mais on avait dit, mais voilà, maintenant il faut sortir et rendre actuels tous ces esprits de l'islam qui ne sont pas des fanatiques, qui sont des esprits qui ont beaucoup contribué pour notre civilisation. Et il a fait donc sa pièce, la pièce qu'il avait fait avec des textes d'Omar Khayyam, ici, où lui, il était le narrateur. Modestine était la danseuse dans cette pièce. Et puis, il y avait le musicien, le DJ Ben, qui était avec lui. Et il est venu avec toute l'infrastructure qui est nécessaire. Et on a dans la salle, là, qui est là derrière, on a installé. Et il avait installé, mais il était très méticuleux. Toute la salle, il fallait l'organiser comme lui voulait. Et il était déjà assez âgé. Et il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait jusqu'à placer les projecteurs à l'endroit qu'il fallait. Moi, j'étais tellement impressionné par le fait qu'il était... Parce que le soir, il devait connaître ses textes. Il devait jouer en plus, tu vois. Donc, il faisait tout dans cet après-midi et le soir. Et après, c'était assez drôle quand le soir, la pièce qui était excellente et des textes vraiment très, très intéressants, quand il a fait ça, tout d'un coup, il avait un black. Il avait un blackout, ça n'allait plus. Et là, j'ai admiré comment il a engueulé les gens, parce que c'était les spectateurs qui avaient manqué d'attention, auraient donc dérouté André, et je trouvais ça assez bien là, parce que... Et c'était effectivement un événement particulier. Nous, on avait produit pour ça une étiquette, tu vois, c'est cuvée Omar Khayyam.
Et puis, comme on était toujours aussi un peu grandiloquent dans les événements, c'est donc 1er décembre de la première année, de la première siècle du troisième millénaire, avec évidemment la photo de André Benedetto et Modestine Ekete qui était là-dessus. Et en dessous, on a choisi des petites phrases. Je ne peux pas m'empêcher de lire une ou deux petites phrases qui sont sur les étiquettes. Bois du vin, car tu dormiras longtemps. Sous la terre, sans une femme et sans amis. Ne répète jamais ce secret à personne. Les tulipes fanées ne refleurissent pas. Je vois... Que vois-tu ? Le fond. Le fin fond de tout, de la mer, de l'espace et de la nuit des temps. Ah ! Et si... Au fond, après tous les mots de Benedetto lui-même, qui eux sont là, enfin, ses mots, sa pensée, sont là et seront là toujours. Et moi, aujourd'hui, je pense à son corps, je pense à son visage, à son nez, à ses lèvres. À la beauté de cet homme, à sa beauté physique, à la façon dont il a embelli en vieillissant. Je pense à ce moment dont vous m'avez rappelé que c'était en décembre 88, j'avais oublié la date, et où André a eu la bonne idée de venir jouer chez nous à la cartoucherie, la mort de Robespierre, et où il y a eu une grève de métro intraitable. Et donc il a joué dans un désert, et donc... dans ces moments de désert, après, on se parlait, un peu dans le noir, dans le froid. Et je regardais sa beauté pendant qu'on se parlait. Et il était furieux, c'est-à-dire c'était dans ce corps magnifique, il y avait un grand poète, il y avait un homme bon et un homme furieux. Et au fond, et sa beauté et sa fureur, on fait ça, on fait ce théâtre, on fait le off, on fait que nous sommes là. Parce qu'il y avait ce mélange chez lui, le talent, le génie. Mais c'était un homme aussi, hein, un homme en chair et en os, et qui lui n'est plus là, et qui nous manque en tant que tel. C'est ce être à la fois fureur et amour. Et l'un ne doit pas aller sans l'autre. Un peu comme la justice à qui il faut la force aussi. Immédiatement, dès que quelqu'un parle avec un accent sur la scène, il est détecté et ça signifie quelque chose, ça signifie pour le spectateur. C'est-à-dire, pourquoi parle-t-il avec cet accent puisqu'il est acquis qu'on ne doit pas parler avec un accent, qu'on doit parler sans accent. Sans accent, entre guillemets, hein, parce que l'accent zéro, on ne connaît pas. Alors, il est vrai que je ne sais pas comment ça se situe, comment ça se joue, comment ça se pèse dans le sud-ouest lointain, mais pour moi, ici, nous sommes vraiment un peuple vaincu, totalement vaincu. La manière dont le Provençal note sa langue, par exemple, ça donne une langue qui est toute écrite, qui est laide à voir, qui est épouvantable, qui n'a plus aucune personnalité, qui a été laminée totalement, quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est le fait d'un peuple vaincu. Et plus grave, qui ne se relèvera pas. Dans le hall de l'ENSAT à Lyon, il y a un étudiant qui était en lumière, en section lumière, qui s'appelle Samaël, qui est venu me porter un texte. Et j'étais habillée en rouge, j'avais un grand manteau rouge, et il m'a dit « Écoute, lis ce texte, moi j'ai envie de faire un film en hommage à André Benedetto. » Le texte, c'était ?« Le Memento Occitan ».
Et c'était beau et c'était dense. Et il y a des choses que je ne comprenais pas, mais je sentais en fait. Ça m'a un peu bouleversée parce que je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai compris ou en tout cas ressenti la poésie. J'ai compris ce que c'était que la poésie. Et je me suis dit, mais il arrive, ce texte arrive à parler de chez moi, du sud de la France, en tout cas de l'été ou de, je sais pas, des sensations que j'ai dans le sud de la France. Comme ça, j'arrivais à les sentir, en fait. C'est la première fois que je lisais un texte et que je me disais, mais il a tout compris, celui qui a écrit ce texte-là. Ça parlait de deux choses, c'est-à-dire de moi, étudiante à Lyon, en faisant du théâtre, et de moi, moi jeune fille, ou enfant dans le sud et qui grandit quoi. Moi, ma terre et quand tu commences à travailler un texte comme celui-là, ça te traverse à un endroit qu'on pourrait te traverser, tu sais, pour moi en tout cas un texte d'un alexandrin ou un grand texte classique, tu vois. Ça te traverse comme une grande langue en fait. Comme si y avait un truc qui sortait de toi. C'est physique et c'est comme du sport. C'est comme un énorme fou rire, ou quand tu t'énerves énormément, ou c'est épuisant de jouer ce texte. Et de pas de lire, parce que quand tu lis juste, tu as juste des sensations, mais quand tu commences à le travailler, à le mettre en bouche et à travailler dessus, et tu commences à sentir en fait dans ton ventre que c'est... Ça peut être comme un sculpteur, mais c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi. Donc c'est comme quand tu chantes, quand tu cries quelque chose. Je ne sais pas comment fonctionne un sculpteur ou un peintre. Je pense que ça vient de là aussi. Mais c'est comme de la musique, je ne sais pas. Comme quand tu écoutes un grand air classique ou n'importe quoi, qui ça te fait vibrer, que tu transpires de ça, ou tu cours, ou que tu sautes en parachute peut-être. Je ne sais pas, j'ai jamais sauté. C'est de la poésie ? Moi, je savais pas ce que c'était, donc je n'arriverais pas à le décrire. J'arrive juste à le sentir. Quand on a des frissons en écoutant de la musique, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi on est comme ça? Le mot salutaire magnifique, le mot désespéré, que voulez-vous, c'est impossible dans le monde. Avec ce hurlement, venant du fond du corps et du fond de la terre, venant des arbres, de l'air, des écorces de l'univers, et du fin fond de la chevelure. Accélérément venant de tout partout. C'est Beckett, tu dis, c'était rater mieux, etc. et continuer. C'est ça. Cet engin, c'est ça. Une vielle à roue comme Marcel Duchamp aurait fait un tableau. Trois cordes ici. Une percussion. Deux percussions. Voilà. L'acteur loup, pour moi, c'est. En plus, c'est un texte formidable sur l'acteur, quoi. L'acteur comme il dit, laisser rentrer le loup, voilà, le loup solitaire. Il faut qu'il se débarrasse de ses techniques de chien savant, de ses crocs limés de chien savant. Il est assez... Et moi, ce que j'aimais bien chez André, c'était son côté conteur-acteur. Parce qu'il y a des fois, il ne faisait pas acteur, il faisait conteur. Il disait juste le texte qu'il avait à dire, pas plus que ça, quoi. Et son utilisation de la musique aussi. Parce qu'il faisait des choses très très simples, André. Voilà, deux notes. Donc on a travaillé au maximum des possibilités pour la production hydroélectrique, mais on a négligé d'autres intérêts écologiques ou économiques d'ailleurs, sociaux,
ceux de la rivière, des nappes phréatiques. Et quand je dis la rivière, c'est pas seulement qu'on a privé d'eau, c'est qu'on l'a rendu incapable de transporter les matériaux solides. Résultat, le Rhône n'a plus les matériaux qui charriaient. En 50 ans, le transfert de matériaux qui était dû à la Durance a diminué de 400 millions de mètres cubes. Et le littoral recule. La cause, c'est le défaut d'apport du Rhône. Parce que la Durance a été aménagée, le Rhône lui-même l'a été. Qu'est-ce que c'est l'intérêt général ? On a voulu faire croire que c'était de produire de l'électricité. Et on a un peu oublié les autres aspects du problème. On ne peut pas tout prévoir. Il n'y a que le constat des résultats qui permet de dire « Oh, mais là, on a déconné ». Il y a l'ajustement qui doit venir à condition qu'on fasse un suivi sérieux. Ce qui n'existe pas pour cet ensemble de problèmes. C'est les seuls qui avons fait une analyse globale de l'aménagement hydroélectrique de la Durance et de la Durance, c'est notre association. C'est stupéfiant parce que nous, on n'a aucune vocation ni moyen pour ça. Et finalement, on se rend compte, là encore, que les lanceurs d'alerte, c'est souvent les citoyens et les associatifs. La mission interministérielle Durance que nous avons rencontrée en 2002, on leur a expliqué le système pompage-turbinage. Mais dans leur rapport, ils disent qu'ils estiment que ce système mérite un examen approfondi. Depuis 2002, tu le vois, toi, l'examen approfondi ? Rien. Rien. Rien ne vient. C'est l'immobilisme le plus complet. Et EDF, finalement, c'est le maître de l'eau, ici. Et le lit de la Durance, alors, il est maîtrisé par Lafarge. On prélève les matériaux, allez, en dépit des lois, d'ailleurs, éventuellement, parce que aujourd'hui, normalement, on ne peut pas prélever des matériaux, même dans le lit majeur d'une rivière. Oh, oui, qu'il pleut. Belle pluie, dit. Non, on a gagné sur les temps de verre, hein. Par exemple. Une région comme la nôtre, elle devrait avoir vocation à gérer sa ressource en eau, au mieux de l'intérêt général. Mais on peut gagner sur la Durance globalement avec la justice française ou européenne. On fait un pas de plus. Surtout, on fait un pas intéressant dans la mesure où on gagne. Et il n'y a rien de plus important que de gagner pour dire, vous voyez que ça ne sert pas à rien, notre action. Mireille Hollande, c'est un peu l'alternative, justement, entre une option tout tourisme, puisque le projet, il y a un projet qui est formé sur des terres agricoles, un projet d'urbanisation touristique. Alors c'est où ? L'urbanisation pour le tourisme, le choix du tourisme ou le choix de la pérennité dans l'exploitation agricole. C'est ça le conflit de Mireille Hollande. Tu vois ? Donc c'est un thème qui est abordé par entrée. Au fond, c'est l'option à laquelle on est confronté aujourd'hui. Si on continue sur le tout tourisme, le tout industrie et tutti quanti, on va à la perte de la vie sur Terre et de l'humanité. Pour respecter la vie et celle de la terre en premier. Mais ce choix, il n'est pas encore fait, là. Hein. Quand tu passes du temps à dire non, c'est comme si tu disais oui, un vrai oui. Un vrai oui. Hein? C'est-à-dire que quand tu dis non, tu enclenches la conversation. Ouais. Tu enclenches la relation avec l'autre. Si tu dis oui, stop, terminé. Benedetto, il avait cette oh là, je vois son regard, je le vois toujours en train de m'écouter, chercher quoi, toi. Je vois Benedetto quand il écoutait ce qui l'intéresse, ce qui l'interpelle, toi. Je vois Benedetto à une terrasse de café à Avignon en train de venir, t'as vu là, regarde, là, c'est sans arrêt ça, tu vois. Et finalement. Finalement, c'est un commencement qui n'en finit pas. Et André, il m'a laissé ça, moi. Il m'a laissé dans ma mémoire, dans mon cœur, dans mon intellectuel, son regard. Son regard d'humain
à la fois terrassé et à la fois généreux. Quoi. Et c'est difficile d'être généreux quand on est terrassé comme ça. Voilà ce qu'il m'a laissé, lui. Je vis avec, maintenant, lui, depuis qu'il n'est plus là. D'ailleurs, tu vois, il est partout. Et puis, je vis avec, et puis je le dis, je le vis, je le... Urgent crier, urgent créer. C'est... Ouais. C'était un Victor Hugo ici, c'est ça? C'était une... Il avait créé ici, Victor Hugo? Non. C'est monstrueux. On dirait deux extraterrestres, tu vois. Ils sont là, pas là, tu vois. Ils sont là, pas là, tu vois, dans le genre, tu vois. En faisant la... Ils faisaient la manche un peu, tu vois. Oh là là. On ne doit pas revenir sur nous, pas. Il faut se farcir, c'est ça le deep, il faut se le prendre dans la gueule. Mais l'éviter, non. Jouer avec, contre, oui. Le théâtre qu'il a construit, c'est magique, ça. De résistance, quoi, un acte de résistance inouï, quoi. J'essaye de faire aussi bien ici. Parce que c'est ça, quoi. Fierté, humilité et fierté, quoi. Chapeau. Mais il nous manque dans la solidarité, quoi. Parce qu'on était plus fort avec lui. Et en pensant, on repense à lui, et on reprend ses écrits, on retrouve ses poèmes, on retrouve ses pièces, et ça nous recharge d'autant, si tu veux, d'énergie, quoi. Et d'énergie créatrice, pas que d'énergie de résistance passive, en train de faire, quoi. Faire... Et refaire, quoi, et à refaire. Toi, femme, et moi, homme, les barbelés sont invisibles. Ce sont des frontières fermées, impossibles à passer. Pourtant, elles n'existent pas. Nous devrions être des oiseaux libres d'évoluer dans l'air. Mais nous sommes des minotaures. Et nous beuglons désespérés. Nous sommes espace Schengen. Les frontières sont notre corps. Et des barbelés à fleurs de peau, des gardes à bord des bateaux, des avions, des hélicoptères, tournent sans cesse autour de nous pour capturer le Minotaure. Et des millions de kilomètres de ce fil de fer barbelé nous traversent de part en part et tout le corps, dans tous les sens. Le plus petit morceau de chair est ficelé à cru, à vif. Il ne peut même plus beuglé dans sa tombe, le Minotaure. Soleil. Il a des mots comme ça qu'il emploie, comme stridence, ou bien une ocre. Assaut, à un moment il dit dans cette nuit déjà à venir du plein jour on est toujours comme au bout du monde toujours. Ben ça peut parler d'un moment où on est ça peut parler de tellement de choses en fait.
Ça peut parler d'un moment où on est avec des gens qu'on aime et où ça se finit jamais. Ça peut parler d'un lieu. Ça peut parler d'une ville, d'un pays, d'un temps, d'un moment. Du théâtre des Carmes. J'écoute les bandes magnétiques du vent et celles aussi de la mémoire qui n'ont jamais passé sur aucun récepteur et celles aussi de la terre étalée et celles que la mer enchevêtre dans les crinières et celles que le feu du soleil a depuis longtemps consumées. Les gabions, de même que les albatros, sont supposés être les âmes des marins morts en mer. La légende leur attribue des rôles singuliers dans des histoires terribles de la mer. Les gabions crient comme des hommes en détresse qui crient pitié et ou qui insultent le ciel, le cri humain. Lugubre, oiseau posé sur la limite, pieuvre couverte d'yeux. Derrière chaque objet, il y a l'agonie, une agonie altière, et l'univers entier se bat contre lui-même. Ô squelette du temps. Je veux disparaître sans bruit. J'ai trop peur de faire du bruit. Ne vous dérangez pas pour moi. Être là et ne pas y être. Oui, là avec tout ça, la vie. De tout ça, traverser la vie. Cette tension, cette scansion. Ce rythme saugrenu de greux. Nouille têtue, le sang qui bat. La bête du Vacarès. Dieu en exil dépenaillé s'est exilé de ce pays pour s'en aller où ne sait où, peut-être en haut, peut-être en bas, dans la mer ou sur le ventoux. La Camargue depuis pousse de longues plaintes dans les longues nuits de l'hiver et ses mouettes immortelles font du surplace dans leurs cris.